Welcome to the world of commercial divers. In winter, as in summer, they must do the jobs of carpenters, plumbers, masons, and welders. The only difference is they have to perform these jobs in toxic environments, in water or mud, often with zero visibility and for long hours. A dangerous job where panic is not an option, and they all need nerves of steel. Inspection de bateau. Aujourd'hui, pas de problème. On va organiser ça. Ce matin, j'ai une équipe disponible. Bonjour les gars! Ça va? Hey Bob! Je vais avoir besoin de Josh ce matin parce qu'on vient d'avoir une urgence. Là. OK, Christian, où? Hey Christian, ça va? Michel Beers, owner of Divex Marine, has to be ready for anything. This morning, he has to check the propulsion system of a 3,000-ton ship. Là, on va aller vérifier une hélice. C'est ça, le cart nozzle, c'est le gouvernail pour ce type de navire-là. On va justement avoir des réparations de soudure à faire. C'est sûr que l'accès est plus ou moins bon. On est quand même assez loin sur le quai, quand même à 35 pieds. Fait que nous, on y va. Tu veux vérifier les lumières sur le camion? Security is at the heart of this career. Each time they take out the truck, they make sure all the signal lights are working well. This is part of the job and the mentality. C'est ça, on va aller voir en dessous ce que l'hélice arrive. Après ça, aller voir les deux entrées d'eau. Ah, visibilité à l'air correct. This boat is in dock for the winter. The chief engineer asked Michel to come because he thinks there are critical problems with the rudder and main prop. On s'en vient plonger sur l'hélice puis le cart nozzle. OK. Je parlais avec Greg. On s'assure que le moteur du navire ne se mettra pas à démarrer puis l'hélice à tourner. C'est des choses qui est déjà arrivé dans le passé. Certains endroits qu'un plongeur a été broyé par un hélice de navire. Donc nous, on s'assure que ça n'arrive pas. Fait que je t'arrête les deux petits ajustateurs. Parfait. Divers ensure that notices are placed around the ship to prevent anyone from turning on the engines and mangling a diver. Puis samedi, dimanche, il y avait juste un petit trou autour des pompes. C'est tout gelé, c'est tout le tour. The winter is coming to an end, which facilitates the work of the divers. This time, they'll not have to break the ice to access the water. On the other hand, the winter rains have stirred up a lot of sediment, reducing visibility. Although the team didn't need to break the ice to access the site, they will need to be lowered in a cage by a crane, arriving 40 feet below. On va faire de la mécanique, on fait de la soudure, on fait de tous les métiers. Le scaphandrier, il fait tous les métiers, mais il fait sous l'eau. Alors, vous n'avez pas un scaphandrier qui est soudeur, vous n'avez pas un scaphandrier qui est menuisier. Donc, vous avez un scaphandrier qui fait une multitude de métiers. C'est un métier qui demande d'être disponible 24 heures sur 24. Puisqu'on fait beaucoup d'urgence. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce métier-là, c'est qu'il y a beaucoup de variété. Alors, une journée, on peut faire une inspection d'une hélice. La journée, on va être dans un réservoir d'eau potable. Deux jours plus tard, on va être rendu à cette île en train de faire une soudure sur un navire. Alors, on voyage beaucoup. The diving helmet weighs 50 pounds. The counterweight, another 40. The emergency tank weighs 30. This means that each diver must maneuver carrying over 120 pounds of extra weight. The only thing keeping the divers alive is their umbilical cord. It provides air, power, and communications.
If something were to happen to either the cord or the diver, even with a crane, they're a long way from safety. Des fois, un plongeur pourrait paniquer à cette distance-là s'il panique. Encore là, c'est de sortir de l'eau qui est toujours un délai. C'est pas comme en surface. On se blesse, il n'y a pas de conséquences. Mais sous l'eau, chaque petit incident peut devenir une tragédie. Ce lien-là d'alimentation en air, s'il est sectionné, l'air cherche à ressortir en sens inverse par ce tuyau-là. Jérôme Dion is a diver and safety specialist at SPG Hydro, a competitor of Divex. La pression sous l'eau, elle est plus grande qu'à la pression atmosphérique ici. Et donc, cette pression-là veut ressortir à l'inverse pour passer en sens inverse dans le tuyau. Et ce qui est arrivé dans ces époques-là, au début de l'aventure d'en plongée, c'est que le travailleur s'est retrouvé à l'intérieur du casque complètement écrapouti, à l'intérieur même de son casque. Donc, maintenant, on a un équipement spécialisé sur la tubulure, sur le casque, le scaphandre, qui permet le passage de l'air dans une seule direction. Older air compressor systems took surface air filled with humidity and sent it down to the divers. Often in winter, ice formed in the tubes and prevented the air from going through. This is why Michel must work with compressed air tanks in which the humidity is controlled. Christian, okay. Va-t'en position. Because the water temperature is hovering around the freezing point, Michel opted for a hot water system that feeds his diving suit continuously during the dive. D'avoir l'eau chaude, c'est un avantage au niveau du temps de plongée. Alors, on peut rester plus longtemps. Quand on a, des fois, ça peut arriver qu'on a un manque d'eau, la pompe peut geler. Donc, c'est quand même sur le système d'eau chaude qu'on a. On a une réserve peut-être d'une dizaine de minutes. Donc, avant que l'eau va venir froide, on va commencer à le sentir. On a quand même un temps pour réagir. Avec l'habit à l'eau chaude, on a quand même un habit en néoprène à l'intérieur qui va me protéger un peu. Donc, j'ai le temps de sortir. The team prepares in complete silence and total concentration. They must review over 100 security points, not forgetting one. They've not lost a diver in 20 years, and they don't plan to lose one today. One can well imagine the results if anyone accidentally started the engine. Breathing in a diving helmet is more difficult than with a normal regulator. With each breath, the diver must create a vacuum in order to bring in fresh air.
The inspection will take a total of 2 hours. It's not the most dangerous contract for these divers, but the cold, the fatigue, and the risks are always present. They discover cracks and rusted bolts during the inspection. These will soon need maintenance welding and replacement. Toujours un plaisir. Les petits défauts à corriger. Coming up, we'll meet with the SPG Hydro team, who'll weld and pour concrete underwater. We're with a team of divers from SPG Hydro working in the port of Montreal. They have to reinforce a dock with a concrete slab. Notre quai de béton qui est là présentement, tout ce qui est de sous le quai qui faisait partie du fond marin, la roche, la vase, toutes les choses qui ont assis le béton initialement. Mais quand ça commence à se délaver, évidemment avec les bateaux qui viennent s'accoster ici, il y a beaucoup de... ça brasse le fond en fin de compte. Fait que les autres, pour éviter ça, on refait une autre dalle. Puis ça s'est fait. Ça fait plusieurs années que plusieurs compagnies viennent faire ça. Ils essaient de refaire le quai au complet afin de remettre une dalle de béton, resolidifier leur quai au port de Montréal. Nous autres, avec les, selon les tables qu'on a puis le mélange d'air enrichi qu'on a aujourd'hui, on va être sur des tables de plongée de 30 pieds puis qu'on va se ramasser sur des temps limites de 5 heures, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Tant aussi longtemps qu'on ne dépasse pas le 45 pieds, on peut rester des heures en masse parce qu'on a des heures de l'air en banque en masse. Puis on a toujours des cylindres d'espère, nous autres, aussitôt qu'il y en a un qui finit, on fait la rotation et on change. Hey, bon matin. Crane takes Serge down so he can begin to install the 38 metal rods that will make up the frame. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aller installer dans l'ancrage chimique toutes nos cannes, si on veut, pour installer l'armature, pour pouvoir couler prochainement. Tu sais qu'on a nos trous ici, c'est où est-ce qu'on a foré, qu'on va mettre, d'autres on appelle ça des cannes, c'est juste un 90 degrés qui va venir s'accrocher dans d'autres aciers d'armature qui va solidifier notre béton qu'on va couler. Donc le bleu, c'est notre coffrage qu'on va installer. Le rouge, c'est notre armature qu'on va s'installer aussi, probablement aujourd'hui. Ça va vraiment faire une dalle dans le fond qui va empêcher cette affinée d'aller ici. Là. While Serge joins the steel rods with a very powerful adhesive, Jonathan prepares the frame which will be used to reinforce the concrete. Ouais. Ben Serge, on va te taper des cartouches sans cage. Several rods remain to be installed, but the weather forecast is bad. The team needs to accelerate the process. Comme pas le choix de se repasser un peu là, tous les fois. C'est sûr qu'il y a des plongées, il y en a des plus faciles que d'autres, mais je te dirais, moi, c'est vraiment le défi qui m'apporte le
défis. Ça m'apporte beaucoup ma job. Les défis, puis pour moi, c'est aussi surtout l'absence de routine. Je pense qu'on est un peu tous comme ça aussi. On est sur un chantier, ça va durer une couple de semaines, une couple de mois. Après ça, on sera peut-être pas avec la même équipe, on va être ailleurs. Donc c'est le même métier, les choses se répètent, mais on n'est pas. Il n'y a pas de routine, c'est pas un 9 à 5. Le plus trippant, moi, je pense, c'est les challenges qu'on a à affronter dans l'eau, parce qu'on n'est jamais bien, on travaille tout à tout croche. La visibilité, c'est tout ensemble. Couché, la tête en envers, sur le côté, on n'est jamais sur nos deux pieds comme à surface, puis à travailler à l'aise, on n'est jamais à l'aise. Et puis c'est ça le challenge, c'est de se trouver des façons de travailler quand on est dans l'eau. Ah, c'est bon, tu peux monter en cage un peu, espérer. The fasteners are used to attach the metal frame and build the concrete slab. Tous les travaux qu'on a à faire, je te dirais, c'est comme tout le setup. Il faut s'installer avant, c'est la préparation de travail, c'est penser, c'est prévoir dans le fond avant les travaux. Au lieu d'être à la surface, des fois que ça arrive comme tout. C'est plus voyant, c'est plus visuel, c'est plus facile à préparer, je te dirais que. Fait que c'est souvent le temps de préparation. Quand on est bien entouré, mais là, tu peux avoir du monde qui sont capables de prévoir un peu comment est-ce que le gars, tu sais, le fait qu'on soit quatre plongeurs, tu sais que le gars, il est pogné comment dans le fond de l'eau, puis essayer de prévoir comment est-ce qu'il pourrait s'installer, essayer de penser à une idée, essayer de le prévoir avant même qu'il la demande des fois, là. The installation of the metal fastener is now complete. Serge is waiting patiently for the descent of the frame. Coordination among the team members is essential. The river's strong current tends to make them drift. The divers must double their vigilance. While Serge sets the frame in place, the ground crew prepare the forms that will be used to pour the concrete slab. Serge has to leave the water because he's reached the maximum diving time of 5 hours. Another diver will need to replace him to install the formwork. Le plus dangereux, je pense, c'est l'erreur humaine. L'erreur de calcul là, des temps. Je pense que ça serait ça le risque le plus élevé. L'erreur humaine. Oh, ouais. Aussitôt qu'il y a une pression, aussitôt qu'on s'immerge. C'est ça. Dès qu'on respire de l'air comprimé dans un milieu. Sous pression. À 10 pieds, il peut t'arriver un accident. Puis je pense que la majeure partie des accidents ne se font pas à 100 pieds. Le plus gros pourcentage d'accidents se retrouve à 20 pieds. C'est l'endroit le plus dangereux parce que c'est là qu'il y a le plus gros différentiel de pression. Check bail-out qu'on est en train de faire. On coupe son alimentation de surface. On vide l'ombilical, c'est ce qu'il est en train de faire présentement. Après ça, il va passer en ouvrant la valve sur le côté. Va passer sur l'alimentation de secours, qui est ce qui porte dans le dos. Dès qu'un plongeur se met sur le dernier réservoir d'air, qui est à son dos, c'est la surface. Ça presse. Ouais. Parce qu'il y en a vraiment, il n'y en a pas beaucoup dans le fond, dans une tank comme ça, puis c'est vraiment relatif à profondeur, comment est-ce que l'air va se consommer là-dedans. Puis aussi, si on est en situation d'urgence, on s'entend qu'on va fort probablement respirer beaucoup plus vite. Bon, en état de panique, en état de stress, 15 minutes, t'as vu. Puis dans un scaphandre, mais on a un volume d'air à remplir ici, puis un volume d'air à remplir ici. Fait que ça se consomme encore plus vite. Avec une grue en surface, un grutier passera jamais une charge par-dessus un travailleur. Mais dans l'eau, des fois, il nous voit pas. Fait que les charges se promènent, là, on le sait pas. T'as une charge au-dessus de la tête, on le voit pas. Puis la même chose, là, on y voit par signaux. Là, le plongeur parle à quelqu'un qui fait des signaux, qui parle au grutier. Fait que des fois, là, c'est des questions de peu de clairance, puis il y a des doigts aux mauvaises places. Descendant.
Jonathan has just enough time to install the formwork. The rain that's beginning to fall is very risky for the divers because the team on land can slip or make mistakes. Coming up, a blind contract and a very dirty job. This morning, the DiveX team of divers will go to a site in Repentigny, while another team of divers must go down to the sewers in Montreal. Le travail commence très tôt. Hein. Ce matin, il faut être au bureau, là, préparer l'équipement, puis il faut être au chantier vers pour 7 heures. Donc, on a une heure de route. La ville de Repentigny va construire une nouvelle prise d'eau. Présentement, ils ont une prise d'eau, mais elle ne fournit pas. Ils ont souvent des problèmes d'ensablement. Ils ont finalement décidé d'agrandir l'usine et d'avoir une seconde prise d'eau. Meanwhile, the team in Montreal must temporarily block a drainage sewer. The sewer is filled with toxic substances and human waste. Aujourd'hui, on va installer un ballon dans une conduite d'égout qui a été affaissée un petit peu plus en amont. On va essayer d'obstruer la conduite de façon à ce qu'il arrête qu'il n'y ait pas d'eau qui s'écoule pour qu'il puisse faire la réparation. L'installation de ballons, on prend les risques en considération, on prend nos tests de gaz, on s'assure qu'il n'y a pas de chute de débris qui peut tomber sur le plongeur. On peut s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de chute qui se fait lors de l'entrée. Présentement, je prends un test de gaz, voir le taux d'oxygène, de CO, de H2S. C'est un gaz inodore. Dès que tu inspires ça, tu peux tomber inconscient suite à la mort. Pour l'instant, je fais 0 partout, 20,8% d'oxygène. La condition est bonne. Et ça, c'est des travaux qu'on fait assez régulièrement pour la ville de Montréal. C'est des, ils ont beaucoup de problèmes avec les anciennes conduites de briques. Ça, c'est des conduites sanitaires, donc ils transportent tous les égouts, ces choses-là. Les ballons qu'on installe, bien souvent, dépendamment de la tête d'eau, ça veut dire la charge d'eau qu'il va avoir en train de pousser sur le ballon. S'il se met à glisser, puis qu'il glisse dans la conduite, dépendamment encore là de la tête d'eau qui pousse dessus, bien, tu te retrouves comme un boulet. C'est un boulet de canon, tout simplement. Là. C'est pour ça qu'on met des chaînes en partant sur nos ballons. Mais encore là, ton plongeur, tu sais, y a-tu un pied de pris dans la chaîne? Y a-tu le boyau qui passe en arrière de la tête? Parce qu'ici, t'as aucune visibilité. Là. Fait que le plongeur peut pas vraiment tout le temps s'assurer que son ombilical est dégagé, que les boyaux de la chaîne du ballon sont dégagés. Ça semble des fois banal comme travail. Par contre, c'est dans les espaces clos qui arrive peut-être le plus d'accidents. Les risques, on le sent même pas. Puis tu vas respirer des fois deux respirations, ça en est fini. Là. Josh is getting dressed. He's the primary diver, but a second diver also prepares in case Josh has an accident and needs to be rescued in an emergency. C'est sûr que nous, peu importe ce qu'on va, que ce soit dans une conduite de briques ou de béton, les risques inhérents d'effondrement est tout le temps présent. Comme là, Josh va plonger, il va s'assurer au moins que la partie ou la longueur du ballon à installer, que cette partie-là, bien, qu'elle soit dégagée, qu'elle n'ait pas de petite tige de métal ou quelque chose qui va venir percer le ballon. Je vais descendre, je vais faire descendre. Oui, il va être bien, puis, bien, ça s'assurer de l'intégrité des briques avant toute chose, parce que sûr, avant de te rentrer dedans, tu vérifies. On va avoir une inspection visuelle qui va se faire. Nous, on va avoir la caméra, donc on va pouvoir voir ce que Josh voit. Ça va nous donner une idée aussi, mais c'est sûr qu'en temps normal, c'est Josh qui évalue sa situation. C'est lui qui évalue ses risques aussi.
As he goes down the manhole, Josh feels the old bricks coming loose. He must pay particular attention not to dislodge any bricks that could have a domino effect and bury the diver. Veux-tu qu'on trouve une petite pelle ou quelque chose? Josh will clear the sewer before installing the balloon. He must remove all the different kinds of sediment that have accumulated over many years in the very narrow pipe. Meanwhile, Michel arrives in Repentigny. Et voilà. 6 minutes d'avance, c'est bon. A temporary dam was built in the middle of the river to bring teams and equipment into position. The dam is very narrow, and the trucks must be very careful driving on it. Donc, Michel, tu vas aller voir ça le matin? Once again, safety is job one. While the assistants carefully check the equipment, Christian redons his dive suit. In Quebec, all work to be done in the water must be completed by a team of divers, composed of 3 individuals: a diver, a team leader, and an assistant. This is the law. En plongée commerciale, on ne plonge pas à deux en général. Le plongeur il est seul sous l'eau, mais il est en contact avec l'équipe de surface. Un plongeur de sécurité qui va être prêt à intervenir pour porter secours si jamais il y a un besoin. Et il y a un assistant plongeur qui, lui, passe les outils, s'occupe de l'ombilical et s'assure que le travailleur il a tout ce qu'il faut pour faire ses activités. On va juste vérifier. The major difference between the equipment of a sport diver and a commercial diver is the umbilical cord and the quality of the diving suit. The cord provides air, power, and communications. The suit is thicker and stronger than the traditional dry suit of a sport diver. In the past, there were many accidents, so now the government has made this kind of equipment mandatory by law. Nous, on doit toujours avoir au moins 2 sources d'air. La bouteille sur la scaphandrie, ça va être la bouteille en cas d'urgence. Si l'ombilical se ferait couper ou le compresseur cesserait de fonctionner ou quoi qu'il arrive, on a une autonomie d'environ 50 pieds cubes qui donne environ 30 à 40 minutes d'autonomie. Alors qu'en plongée sportive, on a juste une source d'air. Donc c'est important de toujours vérifier sa source d'air. Alors c'est... Nous, on peut avoir en scaphandre, on a une autonomie qui peut être 10 heures, 12 heures, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, on installe une crépine, c'est une pièce de béton qui pèse 120 tonnes, est en 6 morceaux. C'est pour alimenter l'usine de filtration en eau potable. À partir de la crépine, on passe à avoir une conduite qui s'installe. Fait que, aujourd'hui, c'est d'installer les 6 pièces de béton au bord de la rivière. Christian has been working here for the last 3 days. He's prepared the riverbed so it's perfectly level in order to install a steel frame, which in turn will hold 300 tons of concrete blocks. He's diving today to check the riverbed and make sure it's free of debris and rocks. Everyone's hoping that the rocks from the walls have not fallen on the work surface. De plonger en scaphandre dans la plongée commerciale, c'est au niveau de la sécurité. Le plongeur doit être en garde continue par un homme à la surface, qui est un aide du scaphandrier. On a un système de communication bidirectionnel, donc on entend toujours le plongeur. On entend, dès qu'en surface, le plongeur, s'il entend des bruits, il va les entendre, les discussions entre les ingénieurs ou avec les techniciens. C'est correct, toi, là? Oui. Tu vas passer communication à l'opérateur, quoi? Oui, s'il vous plaît. On va essayer de retrouver où je suis rendu là. Attends, je me déplace. Visibility in the river is at less than 1 centimeter. It's as if the diver were blind. Là, je vais me descendre sur un banquet comme pour qu'il soit à plat dans le fond, là. Dans mes bulles, là. Je
entre la paroi à terre là, puis le bidon de baquette, là, il y a combien de space? Zéro. Zéro? Ouais, c'est pas à côté encore en fond, dans le fond. Ouais, j'étais tout au max. Comment ça se fait qu'on se rend pas? Unfortunately, during the very rainy weekend, and because of the effects of the current, rock dislodged from the walls and has tumbled onto the work surface. C'est gros pas mal, qu'est-ce qu'il y a déboulé? Ah, il y a des roches d'un demi-mètre environ, là. Okay. Peut-être pas un demi-demi, là, mais pas loin. Puis rouvre ton baquette un peu. When we come back, the team realizes the enormity of the collapse and almost needs to start over. We're back in Repentigny, where Christian must assess the extent of the damage. Limited visibility forces the diver to do everything as if he were blind. Tout devient brouillé, l'eau encore plus. Là, je suis au-dessus de toi, là, où est-ce que t'es bulle, là, avec mon bucket. All right, OK. On va descendre ça comme tantôt, fermé, là. OK. Je commence, j'étais un pied dans l'eau, vrai. OK. Je descends. 5 pieds. Under the water, Christian is just a few centimeters from the crane's shovel. To ensure that he's not crushed, excellent communication is key. OK, c'est beau, stop. OK. Je commence à déhausser le stock là. OK, bouge plus. Je vais aller voir que ça a l'air. The diver finds the fallen rocks by groping around. Stones up to 50 centimeters across have dislodged. He'll have to fill the crane's bucket by hand, one rock at a time. Si tu as une idée quand tu vas avoir de pierre ou de mètre cube de pierre? Ouais, deux buckets de pierre. J'en ai déplacé déjà un demi, puis là, je suis en train d'en mettre encore, là. Ça, c'est juste dans le coin. Courant de la fin de semaine, il y a des roches qui ont glissé, qui ont tombé dans l'endroit où il faut installer la base de la prise d'eau. Alors là, il faut dégager ces pierres-là. Il y a des roches, des pierres d'environ un demi-mètre de diamètre qu'il faut enlever. On n'aurait pas dû avoir de pierres ce matin, en principe. On aurait pu installer les pièces de la prise d'eau. Ça va pas bien. La difficulté de ce travail-là, c'était des travaux dans visibilité réduite. On ne voyait absolument rien sous l'eau. La rivière Assomption, c'est une rivière qui est très sombre, beaucoup de boue dans l'eau. Le risque d'incident est assez élevé dans des conditions comme ça. On a le risque d'éboulis, des pierres qui peuvent débouler en tout temps sur un scaphandrier. On achève. Okay. La grosse, tu l'as plantée dans l'aise, là. This simple check that should have taken 10 minutes will take 5 hours and seriously compromise the schedule. At least Christian can now get out and pass the torch to Michel. The installation of the concrete blocks is about to begin. Meanwhile, in Montreal, Josh has managed to clear the sewer and can install the balloon. Si, admettons, il y aurait eu une pénétration plus profonde ou plus loin à l'intérieur de la conduite, ça te prendrait un minimum de 2 plongeurs, c'est-à-dire le plongeur qui fait l'intrusion, puis tu as le plongeur qui, lui, doit s'assurer qu'il reste à l'entrée, qui lui donne le mou sur son ombilical pour qu'il puisse pénétrer. Parce qu'on fait des fois des 200-300 pieds dans les conduites. C'est-à-dire que si après ça, il arrive un accident, une panne d'air ou peu importe, il perd son habit, faut que tu le sortes quand même assez rapidement. Puis à ce moment-là, ben, ça prend quelqu'un qui va prendre le mou du plongeur sur son ombilical. Parce que nous, en surface, on voudrait le prendre, mais ça fait 90 degrés. Puis là, c'est sûr que l'ombilical coince. Puis tu n'as pas la rapidité d'exécution pour le sortir. OK, on t'envoie ça. Fasse attention, son ombilical.
Josh! On est prêt à commencer à gonfler? OK. La pression, c'est 14,4 livres maximum. Et il s'assure que le ballon, il prend son expansion, qu'il soit bien placé dans la conduite, pas plié, sinon ça peut le faire éclater. Ben, au début, on peut le remplir assez rapidement. Quand on arrive à 3-4 livres, on le fait sortir, quand il touche tout le tour. Ensuite, on monte la pression à son maximum, près ou proche. Tu dois commencer à toucher, là? Presque, OK. On va le sortir, Eric. Un deuxième barreau, là, la brique qui est lousse. Tu l'enlèveras. Contamination by human waste is only one of the dangers of working in a sewer. In order not to spread any diseases to the truck, the workshop, or home, it's essential to decontaminate the diver's suit. Les soutes environnementales qu'il appelle. C'est un caoutchouc qui est vulcanisé, ce qui empêche toute pénétration de substances liquides X, Y, Z de pénétrer à l'intérieur, parce que là, aujourd'hui, on est dans les égouts. On a déjà fait des bassins de décantation, on a fait des bassins d'aération, on a fait des bassins où il y avait de l'acide sulfurique. Now that the balloon is in place, the water level in the sewer increases rapidly. The city employees need to quickly install a pump to empty the drain regularly. Quand on installe le ballon en amont de la conduite, on met ça étanche, eux peuvent faire le bris à sec. Là, on va descendre une suction de la pompe qui va aller dans le trou d'homme. Puis du trou d'homme, ils vont pomper ce taux-là pour l'envoyer plus loin en aval après le bris. Fait qu'ils font tout simplement contourner le bris. Bon, on va aller checker ce taux à part. On va voir. Ah, ben, va changer tout de suite. The pump is working. The residents shouldn't have any more sewer backups. Donc, pour le moment, notre travail est fait. On va attendre. Another successful job for Divex. After this, Michel continues the difficult contract in Repentigny. Back on the site in Repentigny, surveyors ensure that the steel assembly is level and can receive the 25-ton concrete blocks. Each block will be individually placed by a diver. The temporary dam is too narrow for the huge trucks that will carry the 25-ton concrete blocks. The path they will take is also very steep. Michel can see that this is going to be a long day, and fatigue is the worst enemy of the diver. Tout geste sous l'eau peut avoir des conséquences très graves, d'une journée à l'autre. Une scaphandrie qui va être fatiguée ou peut réagir différemment cette journée-là qu'il aurait réagi une autre journée. Alors, c'est faux. C'est un contrôle de soi. Personne qui arrive ici en plongée, qui pense qu'il est un super-héros, peut se tromper facilement. Alors, on va se préparer à plonger. Preparation is crucial for what's next. Even if Michel is experienced in this type of work, lowering 25-ton blocks in the dark is no simple matter. J'ai déjà failli perdre une main, par contre, hein, comme ça. On posait des blocs de béton. À Donnacona, il y avait de la vague environ de 2 mètres. J'ai perdu le ballon, j'ai mis la main comme ça. T'as enlevé ma main, le bloc a tombé dessus. Question de secondes. Mais après ça, j'ai dit, bon, je pense qu'on va arrêter la journée. Les moments les plus dangereux que j'ai vécu, on devait réparer une prise d'eau. Donc, on était sur un couvert de glace, puis on devait travailler en plein centre de la rivière. Moi, j'étais en train de travailler, puis soudainement, j'ai plus d'air.
l'air à geler, puis tu te retrouves, tu n'as plus d'air. La première réaction qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers la surface. J'étais environ une trentaine de pieds de profond, puis à mi-chemin, je me sens coincé. Je suis plus capable de monter à la surface. Alors, j'avais mon copain avec moi, qui est ton copain, c'est notre petit couteau, couteau de scaphandre. Alors, bon, j'ai coupé la corde qui me retenait. J'avais une corde qui avait resté coincée dans le dos, alors qui m'empêchait de monter à la surface. Alors, j'ai coupé la corde, j'ai monté en surface. Puis, donc, ça, cette journée-là, ça avait passé proche. En ce temps-là, j'avais peut-être quoi, 24 ans, 25 ans. Puis, pour une petite corde, j'aurais pu peut-être laisser ma vie là. As they prepare, the diver must always agree on how to proceed with the crane operator. Fortunately, this operator is one of the best in Quebec and has a lot of experience. On manipule des pièces de 25 tonnes. C'est des pièces qu'il faut aligner avec le mouvement des grues qui peut coincer un doigt d'un scaphandrier, une main, couper un ombilical de plongée. Alors, il faut toujours être à l'affût des mouvements qu'on va faire. Donc, c'est avoir une bonne communication avec le grutier. En plongée commerciale, il faut avoir une confiance très, très grande dans ses confrères. S'il n'y a pas de confiance, le milieu ne sera pas sain, là, l'équipe ne fonctionnera pas très bien. On s'assure avant de faire une plongée que les gens sont aptes, donc sont en forme pour plonger. Pas simplement physique, mais mentalement, il faut être apte à ça pour ne pas avoir une fatigue accumulée. Et dans l'eau, on veut éviter également de passer trop longues heures parce que la fatigue s'amenant, bien, ça peut entraîner des situations dangereuses. Donc, c'est à contrôler. Nerveux? Bon, pas vraiment. Plus de penser à ce que tu as à faire. Tu sais, chaque minute est importante. Alors, tu ne veux pas aller sur l'eau et pas être préparé. Il faut vraiment que tu vérifies tous tes équipements. Puis, tant que plongeur, tu dépends toujours de toi. Tu as des gens qui sont là pour t'aider en surface. Il faut toujours que tu sois prêt à t'en sortir toi-même. Puis là, moi, j'analyse, je regarde mes bouées. Parce que quand je vais arriver sous l'eau, je vois rien. Alors, c'est. Faut que tu sois capable de dire, OK, t'as de la pierre là, c'est tel endroit, t'es où? Telle bouée était où? Alors, c'est de la préparation mentale. Parce que si t'arrives dans l'eau, t'es pas préparé, tu vas avoir des pertes de temps. Le premier morceau qu'on doit installer, on a un gabarit sous l'eau, puis il faut ajuster le premier morceau au millimètre près. Alors, les communications avec le grutier, des fois, la même pièce, il faut la lever 10 fois parce qu'on la dépose, il faut la réajuster. Alors, qu'est-ce qui peut avoir l'air simple en surface peut être très, très compliqué. Là. Une étape comme ça en surface prendrait 5 minutes. Sous l'eau, je crois que ça a pris le premier bloc 40 minutes à installer. Oh non, c'est ça. Là, ça va être plus dur à s'aligner parce que les bouées, mais à peu près, là, je sais à peu près où m'en aller pareil. Les travaux qui ont débuté à 7 heures le matin, on a terminé à 1 heure du matin. Donc, c'était une journée assez longue. Par contre, on n'avait comme pas le choix de terminer cette phase de travaux-là. Pour l'ampleur des travaux que c'est fait en une journée, c'était quand même impressionnant. Je pense que tout travail peut se faire sécuritairement. Il n'y a pas un travail qui mérite de perdre une vie pour. Un travail doit être bien préparé, puis avoir les bons employés. Je pense que tout le monde revient à la maison le soir, puis tout le monde est heureux.
In the end, this job took 20 hours of hard work, all underwater.